Voilà. Nakota, Nakuta, Natala d'abord la liste qu'on a passée. Oui. Et puis Natala ce qui va dans on va s'occuper. Merci, merci honorable. Merci. C'est normal, ils achètent. Mais Cécile, ça va? Gardez distance, 1 mètre. De leur expertise sous la coordination
le secteur de l'énergie, qui comprend électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Sans oublier d'autres secteurs, mais qui ne sont pas repris ici. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, messieurs les gouverneurs, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis ici de nous interroger sur la symbolique et l'importance des 100 premiers jours. Certains chefs d'État y croient, d'autres chefs d'État n'y accordent pas d'importance. Mais une chose est certaine, le président Franklin Roosevelt, en 1933, lorsqu'il a instauré ce délai de 100 jours pour mesurer le succès de son action, était loin de penser que 86 ans après, ce concept serait toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains le perçoivent comme un point de départ. Effectivement. D'autres, comme un baromètre, une unité de mesure. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours revêtent et maintiennent et gardent toute leur importance. Car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider. Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter Monsieur Augustin Kabuya, communicant, à prendre la parole. Monsieur Kabuya, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Au nom de notre plateforme H, je profite de cette occasion pour faire une petite mise au point, afin de vous expliquer ce que nous avons préparé dans un premier temps. Nous avons travaillé pour extraire du programme du chef de l'État des actions d'intérêt général pour répondre aux attentes de la population. Ces travaux seront financés par l'État congolais, une façon de montrer à l'opinion qu'avec la volonté politique, nous pouvons réaliser beaucoup d'espoir. Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, ici, nous voulons responsabiliser notre père pour s'approprier de ses travaux et éveiller et de les accompagner. Sinon, à quoi a servi notre ancien temps de combat? Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir, ou soit encore enrichir nos propres familles, ou soit être compté parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez connu les relégations avec votre frère père, je cite le patriarche Étienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à Célier, la base, la population, est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux sera pour nous une occasion qui va encore placer la confiance dans notre population. Je vous remercie, Excellences, Monsieur le Président de la République. Et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit,
Les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, sociaux, économiques, infrastructurels et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Boutembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kassai, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans des meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kassai central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par de décisions coulées en force de choses. À cet effet,
cet effet. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimensions réduites qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moquet, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limété aéroport de Njili, à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme
comme l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. À la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchatchi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Moussoumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare. Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchatchi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Tchopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasaï occidental, au Kasaï central et de Kakobola au Kwilu. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 m3 par jour sur le site de Ozone Mbiza. Construire une nouvelle usine de Lembaimbu de 35 000 m3 par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchatchi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Maniema, de la Tchopo, du Kwilu, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice,
Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption, l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnel et veiller à son observation. Les mines, nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de la Cour de cassation, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, monsieur le président du Conseil d'État, monsieur le procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Davantage sur les actions d'urgence des 100 premiers jours. Nous allons demander aux différents représentants des structures concernées à venir, chacun à son tour, nous faire l'économie de son secteur. Nous commencerons par le directeur général de l'Office des routes. Avec votre permission, je voudrais donner à l'assistance les principales articulations des routes d'intérêt général. En ce qui concerne ces routes, nous avons prévu d'intervenir sur trois secteurs. Les secteurs routes, secteur pont et secteur bas. En ce qui concerne le secteur route, nous avons prévu une intervention sur 2000 km à travers toute la République. Nous avons prévu d'intervenir sur 42 bacs et sur 34 ponts à travers la République. S'agissant particulièrement des routes, nous allons, en ce qui concerne le bac électrique central, travailler sur la route. En ce qui concerne la province électronique, nous allons travailler sur la route pour les pays jusqu'à Bachamba, les Bachamba, les Bachamba, Aïkofa et les Pépines. Nous allons aussi intervenir sur les
pont sur l'axe Kinshasa-Kikwit pour la route et Vénissé. Nous allons travailler aussi, toujours dans la partie ouest, sur la route Katabandou qui va jusqu'à Inoum. Concernant la partie nord, notre action coopérative, la liaison Mbandaka et Boueli, et partie nord de la
Malibosote, Bongo et Bimi, mais nous salons les macatés. Père, Bakambu, Bamibi, Batunyo, Sana, Moutalande, la Kabango, Azate. Siko, Tolobi, Ezali, gestion pour le peuple. Donc, projet Nyonso, ce qui est 1 million, et 5 millions qui sont dans le projet pour l'intérêt du peuple. Ce qui est salé, c'est que comprendre que Mbongo Nyonso, ce qui est dans la poche à l'individu, et Kotika, dans le compte à trésor public, Misala et Kosalema. Ben, investisseur serait là, ben, on a que non, on a Congo corruption Sili, tracasserie Sili, ben, bandoya na entreprise. Je vous assure que Congo na biso ezali mboka moko. Donc, respiration naé, hein, azali ko respirer. R, mon pépé pona ezali changement. Quand n'engue moko na bino, si koto contrôler batu, ben, individu. Hein? Yeah. À Tounion Sana, entourage, oh, là-bas, Kuna, ministre. Ce qui est simulé, nous sommes frappés. Et nous disons que nous contrecarrer le chef de l'État dans le projet de changement. Nous allons répéter le message chaque fois que nous allons écouter un abino pour comprendre que Ngaï, nous avons besoin de comment riche. Jamais beaucoup mona kangai boka que non kabunda fongoli compte ba mieux koti kuna jamais na ko vivre simplement mais intérêt na biso ezali que bino peuple doni retrouver. Volonté na biso ana na zali sûr et certain que ekozwa moi bambiche na bato ba ba monique bango. Là, on a des problèmes. Donc, toi, tu as ce qui est le plus grand. Congo est chargé. La minute, tu as allé conjurer la présomption d'innocence. On a le paquet, tu as un peu parce que tu as une étape. Et c'est que tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps.